Je m'appelle Fares Balouli, j'évolue au poste de milieu offensif, j'ai 21 ans et je suis prêté pour une saison au Standard de Liège par l'AS Monaco. J'ai été formé à Lyon, j'ai fait toutes mes gammes en jeune à Lyon, j'étais un pur lyonnais. J'ai signé pro et là-bas, quand tu signes pro, tu es un peu le jeune, il fallait qu'un peu que je lance un peu ma carrière. Ça fait que Monaco m'a proposé un bon projet avec de nombreux jeunes joueurs qu'ils avaient recrutés. J'ai trouvé ça intéressant, j'y suis allé. Ensuite, à Monaco, c'est pas mal passé parce que j'ai été blessé, je me suis fait opérer de la pubalgie. J'ai été écarté des terrains pendant pratiquement 8 mois, voire la saison. Et voilà, il fallait que j'aie du temps de jeu. C'est important pour un jeune joueur comme moi qui n'a pas vraiment beaucoup joué. Donc quand le Standard de Liège m'a proposé ce projet, ça m'a plu. J'en ai discuté avec les dirigeants et j'ai rejoint le Standard de Liège après. À Lyon, j'ai côtoyé des grands joueurs, à Monaco aussi. Des joueurs comme maintenant qui sont très bons, comme Lacazette, comme des Fekir. Des Johan Gourcuff qui étaient là. En plus jeune, j'ai côtoyé des joueurs qui ont vraiment joué le top niveau. J'ai appris avec eux, c'est sûr que côtoyer ces joueurs, tous les joueurs à l'entraînement, voir leur méthode, voir comment ils bossent après, c'est sûr que c'est des joueurs qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé. À Monaco, c'est pareil. Il y a des Moutinho qui ont gagné l'Euro, que tu côtoies tous les jours, des Nabil Djerrar, des Ricardo Carvalho qui était l'année dernière, qui a une très, très grosse expérience, qui est passé par des grands clubs. C'est sûr que c'est tous ces joueurs. Tu prends un peu à droite, à gauche pour voir ce qui est bon pour toi, voir comment ils sont arrivés là. Parce qu'ils sont arrivés là, c'est pas comme ça. Il y a eu du travail, il y a eu des sacrifices. Et c'est toujours important et bénéfique pour le joueur de voir toutes ces astuces-là. Où je me sens le plus à l'aise, c'est derrière attaquant, en 10. Après, je suis polyvalent, je peux évoluer sur le côté droit, sur le côté gauche, voire même 9. Je suis plutôt polyvalent, mais mon poste de base, c'est numéro 10. Je suis un joueur assez technique, j'ai une bonne qualité de passe, j'ai une bonne frappe aussi. Donc c'est pour ça que j'espère, avec mes qualités, apporter un plus au Standard. Parce qu'ils ont des bons objectifs, finir dans les 3 premiers en championnat, faire un bon parcours en Europa League. Donc ils m'ont fait confiance, à moi de leur rendre leur confiance. Je suis venu ici pour jouer, je ne suis pas venu ici pour aider les autres jouer. Après, ça passe par des bons entraînements, à se battre tous les jours, à faire du travail en plus et donner envie au coach de me faire jouer, tout simplement. Et je pense que voilà, que j'ai les qualités pour jouer dans cette équipe. Sinon, le Standard ne m'aurait pas fait venir. Donc voilà, après, c'est à moi de leur prouver que j'ai ma place dans cette équipe et apporter un plus. C'est pas pareil que le championnat français par rapport au système des playoffs. C'est un nouveau championnat avec une nouvelle philosophie, donc à moi de m'adapter et sortir mon épingle du jeu. J'ai bien été accueilli, c'est des bonnes personnes, que ce soit avec M. Van Buten ou avec le président ou avec les coachs ce matin, les joueurs que j'ai côtoyés à l'entraînement. Tout le monde est sympa, on m'a bien accueilli et j'espère rendre, quoi. Avant de venir, je me suis renseigné un peu. Je sais qu'ici, il y a des très bons supporters qui suivent bien le club. Je sais que tous les matchs, il y a beaucoup de supporters qui viennent encourager l'équipe. Ça, c'est un plus. Après, c'est comme de partout. Si maintenant, ils ont un joueur qui leur marque des buts, qui leur fait gagner l'équipe, qui est sympa avec eux, qui est accessible, il n'y a pas de raison qu'ils ne m'aiment pas. Ils viennent encourager l'équipe, il y en a qui payent leurs abonnements. Ils sont fans, ils suivent de partout. C'est normal, c'est la moindre des choses de leur rendre, de se donner pour le maillot, de se donner pour eux, leur faire gagner, leur procurer du plaisir parce qu'ils viennent aussi, c'est un spectacle. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est normal. J'espère que je vais leur rendre, je vais mouiller le maillot, je vais me battre tous les week-ends. Le temps de jeu que j'aurai, je serai à fond.